Vendée Globe, nous sommes entrés dans le 23e jour de course et sans plus attendre, nous retrouvons notre envoyé spécial, très spécial, au cœur de l'événement. Alors voilà, c'est dans une situation un peu scabreuse que nous allons faire vous présenter, un peu faire un bilan de la course. À noter quand même un écart énorme entre le premier et le dernier, hein, plus de 4000 milles, rendez-vous compte, de Quimper à New York, il y a 2700 milles. Donc c'est quand même énorme comme écart. À noter aussi que entre le premier et le deuxième, qui sont au coude à coude, et le troisième, il y a plus de 400 milles d'écart. Donc une flotte très étalée sur ce Vendée Globe. Des écarts qui se creusent de jour en jour. Un petit groupe de 7 ou 8 bateaux qui sont plantés dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et à noter une très belle course de Keguiner avec notre ami Yann Eliès. Nous, pour notre compte sur Finistère-Mervent, nous sommes en compagnie de Tom Rouille et du Chevalier Noir, qui ne sont autres que Thomas Ruyant et notre Jean-Pierre National sur Saint-Michel-Virbac et Souffle du Nord. Donc nous sommes en bonne compagnie, on a quitté le pays des poissons volants pour arriver chez les Albatros. Bonne soirée à tous et yes we can! Jean Le Cam, coureur au large à 16h, est en route vers le cap de Bonne-Espérance qu'il devrait doubler demain. Dans le même temps, Armel Lecléache, redevenu boss à la place du boss, se rapprochera d'une autre marque de Parcours Saint-Denis. On dirige vers les îles Kerguelen, on devrait passer normalement mercredi, après-demain. J'espère qu'on sera beau, enfin, en tout cas qu'il y aura la ligne de ville, on devrait passer pas très loin. Et peut-être qu'on les verra à la caméra.